et ils sont en train de répéter la parade de Noël. On est jeudi 27 octobre, c'est notre dernier jour à Disney. On a utilisé l'avantage qu'on a de rentrer 15 minutes avant et on va aller faire l'attraction Toy Story qui est la plus populaire du parc. Plan de la nuit. Waouh, il est cool. Toutes les LED, ouais. Les ampoules, tu vois, sur le casque. Que tu tires sur des écrans, c'est sympa. La 3D, les vidéos sont super bien faites, donc c'est assez marrant. Mais c'est une sorte de jeu d'arcade, un très beau jeu d'arcade. J'aimerais bien de voir le temps d'attente. Ouais, mais il y a combien sur le temps d'attente? 70 minutes. Le parc a ouvert depuis un quart d'heure. Hein. Après, t'en as peut-être pour la queue pour les fast pass là-dedans. Disneyland Tokyo. Le seul Disney où il y a plus d'adultes déguisés que d'enfants. Autre point intéressant, Disney a créé un personnage spécialement pour ce parc qui s'appelle Duffy, c'est un ourson. Et c'est très populaire ici, tu vois énormément de gens avec leur ourson Duffy. Dans le parc, on vient de se rendre compte qu'en fait il y a des spots comme celui-là, où en fait tu poses ton Duffy et tu prends une photo. Placer le Duffy sur la marque et de prendre la photo. Il est 11h, après avoir fait Toy Story, on a fait les deux attractions Indiana Jones, on a fait Voyage au centre de la Terre, on s'est posé, on a mangé, on a refait le 20 milieux sous les mers. Ici tu aimes les cosplays qui sont reliés à Disney, ici tu as quand même les meilleurs décors pour faire tes séances photo. Il y en a plein ici qui font des séances photo en fait, il y a des trucs super bien. On ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi bien en fait. Et on était très mal placé. Bon, il est midi 5. On a plus ou moins fini de faire ce qu'on voulait faire dans ce parc là. On va aller dans l'autre parc. A tout de suite. Et nous revoilà donc dans le parc Disney Tokyo. On va aller faire les quelques attractions qui nous manquent. Le gros avantage, c'est qu'il nous reste encore les 10 fast pass qu'on a eu avec notre vacation package. Non, non, Loïc. 10 fast pass, 5 chacun. Ouais, là-bas, il y a du popcorn au chocolat au lait. Donc toujours avec notre vacation package, on avait droit à un espèce de seau à popcorn. Donc Loïc, montre comment t'es plus fier avec ton seau à popcorn. Voilà. Hi.
C'est sympa. Ah oui, joli. Non mais tout c'est comme toi, ça t'apprendra. Le train de la mine, de son vrai nom Big Thunder Mountain, est malheureusement en maintenance pendant notre séjour. Ça arrive. À 20 mois de détruire les gens, c'est envie de détruire les bras. Mais en fait, t'as le canoë, t'as le riverboat, et t'as ces petits bateaux-là qui te permettent d'aller sur l'île, visiter l'île de Tom Sawyer. Bon, ça, j'ai vraiment pas envie de me faire chier à faire ça. Bah, le centre de la Terre, c'est en gros. C'est joli. Et... pendant un machin, puis une grosse fois. 90 minutes d'attente, ou alors. Tu utilises le fast pass que tu as dans ton vacation package. La tronche que t'as avec ta boîte, tu montes la boîte. Je la montre du doigt. Mais oui, c'est ça, t'es en train de la montrer du doigt. Qu'est-ce que t'en as pensé, Loïc ? C'était sympathique. Par contre, on s'est trempé, hein, après la chute là. Comme Pirates des Caraïbes, c'est une avion qui est vachement bien, genre pour 20-30 minutes, 90 minutes. 190. Parfait. Là, on a du miam. Montez de chouros, ils sont violets les trucs. Oui, mais c'est ça. C'est spécial Halloween. Avec ses groupies. Ah bah il se pose là, oh c'est le bordel. Oh regarde les gamins. Donc là on s'est bien cassé le ventre. On a des personnages qui traînent à droite à gauche. Bah. Yes. Sorry. Yeah. We come by default. It was here, but you need a vacation package ticket voucher. Ah, yeah. You buy in here. No. Yeah. Yeah, you change the voucher here, but the ticket, it's when you are at the hotel. Oh. You need to stay in the hotel to get the tickets. Oh, okay. Roger is famous. Okay, bye. Bye. Alors pour la petite histoire, me demande pas pourquoi, mais Loïc a baptisé sa boîte à popcorn Roger. Ça montre, ça c'est les Japonais qui les collectionnent. C'est ça qu'on va? Non, non, pas du tout. On a dit Adventureland, c'est là-bas à droite. Ben non, on peut passer par là. C'est ce que t'as dit tout à l'heure. On était passé par là, je crois. Non, on était pas passé par là. Là, c'est un cul-de-sac, là. Hein. C'est au passé là-bas. Hein. On est à Adventureland. On dirait qu'il y en a 50 des salles. Mais ça, c'est pas une salle, c'est juste une scène extérieure. C'est ça? Le spectacle. Let's Party Grass. Qu'est-ce que j'en sais, c'est écrit en japonais. Oh putain, c'est vrai. Ah, c'est là, non? Est-ce que ça ressemble à ça? Non, c'est peut-être pas ça, ouais. Non, pas du tout, c'est à l'intérieur, il y a des flashs et tout. Il y a des projos et tout. Donc c'est derrière en fait. Ouais, 29 théâtre Orléans. Bah, non, bah c'est ça. Finalement, le spectacle, on pensait que ça allait être quelque chose de différent. Et vu ce que c'est, et vu que le fait que la salle elle est quasiment pleine et qu'il y a tout ça de file d'attente, je pense que même si on commence à faire la file d'attente maintenant, on aura peut-être droit de faire la séance à 18h. C'est un peu ridicule, donc on laisse tomber ça et on va aller faire d'autres trucs. Tu veux refill? Je sais pas. Ah oui, c'est pas mauvais caramel. Elles sont chaudes. Chang. Ou même tu la sur les épaules. Est-ce que toi aussi tu te demandes pas ce qu'il lui fait avec son crochet? Non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il se tienne pas la main, ni le crochet. C'est la deuxième blague là. Et là, je suis chaud là. Non, c'est pas un vendeur à sauver. Non, c'est pas un 1 euro. Deux choses très importantes. Le nombre de cast members, ça c'est juste incroyable. Il y en a tellement, j'aimerais bien connaître la politique de l'emploi au Japon. Parce que je sais pas comment ils font pour employer autant de gens et réussir à être rentable. Ça c'est déjà le premier point. Le second point, c'est qu'ici les cast members, ils passent leur journée à te sourire, à te dire bonjour, à faire des high five. Et les mecs, ils font ça non-stop. Et t'as même le droit de leur demander de te prendre tes photos. Des fois, c'est même eux qui te proposent. Tu vois, c'est des trucs, c'est juste ahurissant. Thank you.
très 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 longtemps que j'ai pas fait Blanche-Neige à Disney Paris, mais ça semblait être plus ou moins la même chose. C'était vraiment vachement bien en fait. C'était une espèce de salle de cinéma gigantesque avec des lunettes 3D. Les effets étaient vraiment bien, la qualité était super cool. Il nous reste encore 4 fast pass chacun. On sait pas encore tout ce qu'on va faire, mais bon, vu qu'on a boisson à volonté, ben on se pose et on boit des trucs. Il y a pas mal de spectacles ici qui sont généralement blindés. Et c'est également des spectacles sur lesquels tu as des places réservées. Et en fait, pour avoir les places réservées, soit tu as comme nous un vacance package, où des fois tu as un ou deux tickets pour des spectacles, soit autrement il y a une loterie. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, tu peux tenter de gagner des places assises pour un spectacle. On vient de passer à côté d'un endroit où il semblerait que ça soit la loterie en fait pour ce parc. Donc on va tester, voir à quoi ça ressemble. On est prêt? On a bien 2 personnes. Loterie. Oh, ce spectacle, je sais pas lequel c'est, on verra. Non, non. Malheureusement. Il est 19h30, il est temps de quitter Disney Tokyo et de retourner à Disney Sea parce que de toute façon nos bagages sont à l'hôtel là-bas. Donc on va retourner un petit peu dans le parc, on se retrouve là-bas. De retour à Disney Sea pour nos derniers instants à Disney Tokyo. On vient de se séparer de nos derniers fast-pass. On se rapproche de plus en plus de la fin. Il est 21h10. Je suis complètement éclaté. J'ai plus de jus. Mais on a mangé un petit peu, donc ça m'a redonné un tout petit peu de peps. Mais là ça va être compliqué là, parce que là il faut qu'on récupère les bagages et qu'on se tape une heure de trajet dans le métro de Tokyo pour rentrer à notre autre hôtel dans lequel on va finir notre séjour. Au revoir. Au revoir Disneyland, à la prochaine. Perfect, thank you. Thank you very much. On démarre le périple. Je vois quand même sur le pied, je vois des gants blancs s'agiter, ce sont les vis de carré et tout. On va directement un siège de plus. Ah, j'ai pas, ouais, c'est le jingle. 5 stops et on prend le prochain métro. Deuxième train, 3 stops. Troisième et dernier train, 6 stops. Putain de marche de merde. Et maintenant pour finir, 700 mètres de marche. Je dors ici. Bonne nuit.